Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce 42e épisode sur Fallout 4. Nous continuons notre quête avec le bateau, le machin, là, ici. Et apparemment, on doit aller chercher des roulements de je sais plus trop quoi, de turbines, de trucs, bidules, choses, pour qu'ils puissent s'envoler dans l'espace. Très bien. Eh bien, je pense qu'on peut faire ça et je pense qu'on pourrait éviter cet endroit parce que nous avons eu des ennuis, déjà. C'est déjà arrivé. Donc... ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre vers le lieu de la quête, comme ça, tranquillou, hein, et j'espère enfin terminer cet endroit, cette suite de quêtes, qui pourrait être bien cool. Toujours est-il que voilà, on est bien, on est peinard, et par là, on ne peut pas passer, évidemment. Toutes les routes mènent à Bunker Hill, et les rumeurs aussi. D'accord, Bunker Hill, je ne connais pas cet endroit. Ça tombe bien, j'ai absolument pas envie de le visiter maintenant, parce que bah finalement on a des trucs à faire, hein. Puis vous me connaissez moi, quand je commence à papillonner, eh ben, on n'en sort plus, hein. Sinon on est toujours là au 172e épisode. Hein. Donc on va absolument pas faire ça. C'est loin ce bidule? Ça a l'air d'être loin. Ils m'ont encore envoyé à Babblewed. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Une base de baseball. On va dire why the fuck not, mais bon, c'est pas notre objectif principal. Oui, hein, je vais éviter hein, de papillonner. Antenne régionale du Battle. Ok, ça marche. Bouteille de bière, jetons de métro, je prends. Quelqu'un peut y trouver une utilité. T'inquiète, on y trouvera une utilité. Si je me souviens bien, hein, les jetons de métro hein, dans... Ah, c'est des Raiders. Attends, on va aider nos potes de la confrérie de l'acier. Personne. Comme ça, pouf. Et bam. Ah, ça, c'est un pillard légendaire. Je vise comme un pied. Voilà, ça marche beaucoup moins bien sans la tête. Il est où? Il est là-bas, le pillard légendaire. Tiens! Je me prends des balles, mais c'est pas très grave. Oula, oula, oula! Aïe! Putain, mais il y en a un autre. Pas moi, non, 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 pas moi, on a dit. Putain, mais chute! Arrêtez avec vos grenades de merde! Ça suffit! Mais tu vas arrêter ça? Espèce de petit merdeux? Bon. D'accord, lui me tire dessus et est en train de me défoncer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se soigner. Allez, petit coup de steampack, paf, petite picouse. Le vilain, il s'est caché. Il a tellement de vie. Ah mais il est pas tout seul en plus. Aïe. Mais arrêtez de bouffer. Toi de même, hein. Le pillard légendaire, il est mort. Moi, je suis presque mort également. Picouze. Oui, mais ça suffit. Là, chute, arrêtez, il y en a marre, j'aurais pas dû faire ça, on a perdu un temps
considérable, c'est un truc de ouf. Ah, why the fuck not? Ah, Steam Pack. Compact fusil d'assaut. Ouais, mais je pense que j'en ai déjà des fusils d'assaut et on les modifiera selon nos désirs. Par contre, je crois que je suis trop lourd. C'est moi ou je suis trop lourd. Piper, je suis trop lourd. Où ça? Vous cherchez quelque chose de précis? Mais pas vraiment. Est-ce que tu peux prendre des trucs à moi, Piper? Parce que là, je t'avouerai que je suis un petit peu surchargé. Ouais, tu vas tout prendre, hein. Tu vas tout prendre. Sauf ce qui n'a pas de poids. Bon, c'est réglé. J'ai aidé mes potes de la confrérie de l'acier. Ça, c'est cool. Par contre, j'ai bousillé... Oula, mais il me reste plus beaucoup de munitions là-dedans. C'est pas mal. On va peut-être atteindre notre objectif de vider cette arme. Qui est, bah, en fait, on a vu qu'elle était bonne, mais dans certaines occasions seulement. Donc, dorénavant, il va falloir que je m'habitue à utiliser le 44. J'ai pas mal de balles, hein, au final. Tac, tac, tac. Fusil de combat, j'en ai plus des masses. Pistolet de reconnaissance, j'en ai beaucoup. Là, ça j'en ai beaucoup plus. Et ça fait plus mal, qui plus est. Et ça a une cadence de tir bien moins élevée. Donc il faut que... D'accord. Par contre Piper, ça serait cool que vous arrêtiez de me coller votre pistolet dans la tête. Piper, c'est votre pistolet que je sens derrière moi ou... Vous avez eu d'énormes érections! Ce qui est d'ailleurs problématique et bizarre. Attends, ça c'est quoi? C'est du rien. Ça me va, si c'est du rien, ça me va. Bon, apparemment, ce n'est pas ici qu'il faut que je cherche des trucs. C'est plus loin. D'accord. Mec monte sur une bagnole pour monter ensuite sur le truc alors qu'on peut faire le tour à 2 cm de lui. Génial. Bravo. Sois un petit peu observateur, voyons. Il n'y a rien ici. Je suis détecté, très certainement par Dieu, parce que ici il y a personne. D'accord, ok. Ils ont pop devant moi, à l'arrache. Saleté de bestiole. Arrête de bouger. Ne bouge pas. Qui plus est, allez, tiens. Je voulais pas qu'on sorte d'ici, parce qu'à mon avis, on serait pas très sexy comme ghoul. J'avoue. Attends, il y avait d'autres matériaux encore, il me semble. Matériaux nucléaires, je prends. On ne devrait jamais croire qu'il a réussi tant que sa vie n'a pas été mise en danger. Personnellement, j'ai très bien réussi dans ce métier. Il n'y a pas d'autres bestioles par ici. C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Il y a une bébête. Une bébête dans le coin. Ah bah oui, là! C'est pas une bébête ça? Ah ça, c'en est une! Ça, c'est pas une bébête ça. Avancez. Bon. Ok. Carte. Comment je fais pour avoir la carte locale?
Ah, voilà. R. Vas-y. Je mets un marqueur ici. Voilà. Et on reviendra chercher cette armure plus tard. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est comme armure? Je commence à avoir pas mal d'armure du coup, moi. Je commence à bien collectionner là. Hein. Donc c'est l'histoire d'un mec qui se baladait tranquille, qui tue des mouches, et ensuite, il trouve une armure. Une armure assistée. C'est bien ça, non? C'est pas mal. Je suppose que je compense mon moins 8 milliards en chance avec la chance que j'ai dans... Qu'est-ce que c'était? C'était des mouches. C'est ennuyant perspective. C'est ça. Même pas mal. Voilà. Mais il est très bien ce pistolet. Donc je suppose que je compense mon moins 8 milliards en chance avec la chance que j'ai dans Fallout 4. Je trouve toujours des trucs de ouf. Hein. C'est vrai qu'on n'a jamais vu cet endroit. Si, peut-être. Bon, j'approche pas de là-bas, je sens que ça va durer 3000 ans. Je sais pas qui est en train de se fighter, mais... Moi, ça m'intéresse moyen. J'ai fait un truc là, non? Non, on pouvait pas ramasser quelque chose. Bon, tant pis. Non, je pense qu'on pouvait s'asseoir sur le banc et puis c'est tout. Bon, très bien. Je gagne de l'expérience. Certainement parce qu'il y a des gens qui meurent pas trop loin. Une perruque style banane? Ah, je prends. Sérieux? Je prends quoi? Ah, je suis plus très loin, apparemment. On va se remettre en mode furtif. Dans cet endroit, c'est souvent rempli de mauvais gens. Enfin, des vilains, quoi. Qu'est-ce que... Usine de montage Corvega. Bah, on a déjà été ici, non? À moins que... Aïe, oui, oui. Shit. Bon. Il est temps de prendre le fusil. Tu te caches, hein? Ah, ah, ah. Hey, il y a quelque chose, je te vois. Il en reste deux. Deux personnages fort peu recommandables. Oh, merde. Je vois plus personne. Hé hé, je vous ai blousé, hein. J'arrive pas à les voir. Qui est là? Personne. Hé, ce sera bientôt fini. Qui? Mais vous êtes où, bon sang? Qu'un signe. Du bruit. C'est que du bruit. Je t'ai vu. Monsieur le pillard crasseux. Relève un peu la tête pour voir. Mauvaise idée. Oh, bah zut alors.
pas très stable hein, comme arme. Voilà. Et donc. Bah alors. Il y a quelqu'un là-haut. Et t'es sérieux là? Tu me tires de suite ici? Allons, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Oh, sa tête a explosé! Cran d'arrêt, masque à gaz, gna 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 gna. Inintéressant au possible. Par contre, portez quelque chose si vous voulez. Je prends. Alors, là-dedans. Ah bah oui, des drogues. Oui, 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 oui. Je dis oui. Oh, je dis oui. Et il reste un méchant. Ils veulent jamais être juste amis, ceux-là. Je prends les munitions. Oh GG, Piper a tué quelqu'un. Alors sur qui tu tires? Vu. Ah. Là. Merde, à côté. Viens lui siffler dans les oreilles. Putain, mais ils sont tellement nombreux. Allons bon, où ils sont partis? Non mais sérieux? Le mec le mec s'est suicidé. Qu'est-ce que c'était? Ah shit. Mais reviens. Je promets ça fera pas mal. Juste une petite piqûre. Le mec s'est reculé juste au bon moment. Quoi. Le mec esquive les balles. Là, et celle-là. Oh mais t'es sérieux, tu penses pouvoir m'atteindre d'ici, quoi. Et maintenant... Attends. Ah, je peux pas dégommer ça. Il y a quelque chose là. Je vous vois. Non mais t'étais censé être mort. Reste mort. Et il reste un méchant. Mais je pense que il est trop apeuré pour venir nous faire chier. Il doit avoir peur maintenant. Où il est passé, ce connard? Ou pas. J'en remets une pour être sûr. Merde. Merde. Je transporte trop de choses. Logique, j'ai pris une arme dont je n'avais absolument pas besoin. C'est ça. Il flanqué la frousse. Ouais, c'est ça. Tu m'as flanqué la trousse. Tu m'as flanqué la frousse, pardon. Il a tout compris, le gars. Allez, mange les brochettes d'écureuil. Bois un petit peu d'eau. Par contre, ça va être chaud pour récupérer. Ah, j'ai un nouveau statut en bas. C'est rigolo. Ah, du coup, c'est vraiment là que je dois aller. D'accord. Eh ben, ça marche. Eh ben, faisons ça. Quoi, y a déjà des méchants? Par contre, je pense que je vais prendre. Je pense que je vais prendre. Le pistolet. Le pistolet me semble bien. Qu'est-ce que. Mais non, y'a personne. Oh, les gars, ils savent pas où je suis, quoi. J'ai juste à attendre. Qu'est-ce qu'il fait?
Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est complètement con. Ouh, la jambe en moins. Une balle qui est passée juste à côté de lui. Et voilà. Mais t'avais raison dans un sens. Ça sert à rien de se cacher, ça sera bientôt fini. C'est effectivement fini d'ailleurs. Je vais quand même descendre ramasser les merdes qu'ils ont sur eux. Hein. Vous me pardonnerez quand même. Allez, finissons-en. D'accord. Oui, non, chute, chute, chute. Voilà. Je vais récupérer ça. Je sais qu'on l'a déjà fait, mais... Il peut très bien y avoir, voilà, des ciseaux, de la colle, voilà, tous des trucs dont j'ai pas besoin. De la viande en boîte. Je vois plus personne. Il est où le gars? Allez-y, parlez. Bon, je vais te donner des trucs. Oh, ça c'est bien aussi, mais... Ah, Piper ne peut plus rien transporter. Shit. Une boîte d'explosifs. Ah. Zut alors. Voilà. Ça y est. Peur, hein? Pas vraiment. Je prends toutes les munitions de l'univers. Bon, puis après ça, hein... Ouais, c'est ça, cours. Après ça, il faudra, je pense, faire un petit tour du côté du Red Rocket pour quoi, déposer toute cette merde. Où ils sont passés? Quoi, le mec tire au pif? Les voilà. Les voilà, où ça? Rien senti. Bon, Piper s'en est occupé. Après tout, si j'ai rien à faire, moi ça me va. Hein. Alors, c'est par ici. Où est ce fichu? Ah, le v'là. Qui? Personne. Non, c'est personne. Arrête de flipper. Et bim! Au, 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 au. Oh merde, oh y'a un truc qui va péter. Oulala. Oh shit. Oh là là. Oh bah bordel. Ouh. Bon. Après avoir mis le bordel. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh non. Ils ont pas l'air d'amuser avec moi. Mais où il est le gars? Là? Non. Mec, je sais pas où est-ce que t'es. On se donne rendez-vous. Bah là où t'as entendu des explosions, ça a l'air bien.
suppose que c'est ça que je dois récupérer. Salut. Voilà, roulement de turbopompe. Nickel. Et ça, c'est du rien. Et là-dedans, il n'y a rien. Et là, il y a des paquets de cigarettes. Je prends. Hop là. Bon, il n'y a plus qu'à se casser. Voilà. Professionnel. Joue. J'aurais juré avoir déjà retiré cette chaîne. Mais bon. Bon. On n'a plus qu'à retourner voir les robots. Là, on peut sauter là. Ça fera sûrement moins mal. Et normalement, c'est terminé. Aïe, c'est fini. Vous vous barrez dans l'espace et vous nous foutez la paix. Hein? Parce que c'était cool comme quête. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que c'était bien chiant et bien long aussi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce machin? Ah, vous savez que ça part mal quand je dis ça. Sable et gravier du machin. Du massage. Ok, voilà, du machin truc. C'est inutile de se cacher. Ah, un râteau légendaire. Ah ouais, elle se sert de mes grenades. Cool. J'ai les Piper, tu déchires. Oh bah d'accord. Ah bah je comprends mieux. Il y a qui balance les grenades comme si bah voilà quoi. Mais par contre t'es sérieux machin, meurs. Ah oui mais non. Caporal des artilleurs. Bah barre-toi. Oula. Aïe oui aïe. Non mais le mec. Non mais ça suffit. Non mais arrête d'avoir 10 milliards de points de vie. Putain, par contre le mec me file genre les radiations à l'infini. Ah, c'est passé juste à côté de moi. Bande de petits salopios. Non mais ça suffit. Le mec est là-bas. Je vais te cramer le fion. Non ça suffit là. Hein. Non mais... Poignée confort, si vous voulez les miens. Je prends. On sait jamais, ça peut servir. Boîte à café, boîte à caca, boîte à café. Intéressant. Pistolet gamma. Je prends. Liquidez-le. Il est où le vilain? Aïe. Encore toi? Mais je croyais t'avoir tué. Voilà. Meurtre d'atroce souffrance. Bon, je les ai tous ces trucs là.
Bon, c'est tout, ça y est. C'est fini. Chut. Que... What? Ah d'accord, comme ça. Même pas mal. Ok Piper, je retire ce que j'ai dit, l'IA est bien. Elle a été ramassée un flingue au pif, elle a fait « Bon, moi j'en ai ras le cul d'avoir un 10 mm, alors je prends ça, tu m'en voudras pas, hein ?» Ah non mais ok Piper, pas de problème, t'inquiète, ça le fait. Tiens, les brochettes d'écureuil. Bon, puis on devrait pas tarder là. On a visité tout ça? Putain, je sais plus ce que, si on a visité ou si on n'a rien visité. J'en sais rien. Tout se ressemble. Normalement, on devrait pas arriver. On doit pas être bien loin là. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. On n'est pas bien loin. Peut-être que si. De quoi? J'ai l'impression d'entendre des pas tout le temps en ce moment. Ouais, level up. Je suis arrivé par derrière. Ah là là. Ça c'était beau ça. Une mitraillette. Pourquoi pas. Ouais c'est ça, je porte trop de charge par contre. De quoi je peux me débarrasser? Éventuellement je peux boire du whisky. Merde. Voilà, je suis dépendant. J'ai bu une gorgée, je suis dépendant. Logique. Bonne nuit. Hey. C'est dingue de se dire que les super mutants étaient humains avant. Comment la science a pu déraper à ce point? Bah je sais pas. Qu'à demander aux scientifiques, moi je suis pas scientifique. Petit coup de Radaway, un petit coup de Steam Pack, ça fera pas de mal. Je pense qu'il va falloir que je développe ma force hein, si je veux transporter plus de choses. Parce que Piper ne suffit plus à transporter mon bordel. Par contre, je suis content. J'ai l'impression qu'il y a eu une mage et que ça a dû régler pas mal de soucis. Mais ça veut dire quoi ces trucs? C'est pas la première fois que je rencontre ça. Pas la première fois que je rencontre ce signe. Par contre, ça tire. Hein. Oula! Ça a explosé. Il y a même des morceaux qui sont tombés pas loin. Moi je vais par là. J'entends des super mutants. Cadeau. Voilà. J'ai eu la fusion mais je prends. Piper qui s'est TP. Ok. On doit pas être loin. Je m'occupe pas trop du bazar qu'il y a autour de moi. Hein. Par contre, il va falloir que j'achète de l'addictol. Et ça va être chiant. Ça coûte cher. Et je veux garder mon argent. Voilà. C'est à moi. C'est mon argent.
l'ai durement gagné en tuant des gens. Ah, c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure, ça. Oui, oui, oui. Voilà. Ça y est, on est juste à côté. Les mecs nous font retourner quand même dans le bâtiment dans lequel on a été au tout début, quoi. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas non plus. J'aimerais bien comprendre comment il a atterri là-haut. Ah, ça me manquait, tiens. Ou pas. Voilà. Allons par ici. Ça y est, j'ai vos roulements de turbine de je sais pas quoi. Ça empeste ici. Ah oui, c'est pas la première fois que tu le dis. Oh, je me suis encore paumé. C'est pas vrai. Rien à signaler. Je commence à détester ce navire. Ah shit. Vite, du whisky. Bip, 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 bip. En retard. Je croyais que c'était pour récurer les cuivres. Ah bah je peux passer là. Nickel. Mais ils sont classe les quartiers du capitaine. Bois de sauvetage. Pas mal du tout, je dirais. Oh, le mec a des missiles. J'ai ouvert par la pensée. Non, je pense que c'est Piper qui l'a fait, mais je sais pas, ça a bugué. C'est bon. C'est fait. Et maintenant? J'aimerais bien comprendre comment il a atterri là-haut. Ouais, on lui dira. Ça m'a l'air pratique pour tenir les indésirables à l'écart. Réduisez la puissance sur la proue tribord. Doucement mais sûrement, Mister Navigateur. Les vents sont cléments et le sort nous sourit. Nous levons l'ancre. Remercions notre héros du moment. Vous avez doublement mérité votre part, monsieur. Très bon travail. Avec plaisir. Le plaisir est pour moi. Vous êtes plus que jamais digne d'assister à notre voyage inaugural, monsieur. Quand nos deux fusées NX-42 seront mises à feu, nous pourrons enfin larguer les amarres. Adieu, cale sèche. Adieu, immeuble de bureaux répugnant. Le Constitution sera propulsé dans les cieux avant de se poser délicatement dans l'océan salvateur qu'il n'aurait jamais dû quitter. L'Atlantique va bientôt retrouver son plus fidèle défenseur. Eh ben c'est pas banal. Alors ça, c'est pas banal. C'est brillant, n'est-ce pas? Mister Navigateur, lancez les machines. Il faut... Ces voyous sans foi ni loi. Préparez-vous à lancer une bordée. Défendez le Constitution jusqu'à votre dernier souffle. Faut utiliser les canons. Faut utiliser les canons. Canons. Les canons. Comment j'utilise les canons? Ah bah c'est classe. Alors, on va changer d'arme. Il me faut une vraie arme. Possible un truc qui tient la route, genre ça. Voilà, voilà, j'ai pris très cher. Bon. Tac. Et
un coup de steam pack. Et d'un. Attendez, mais... Ah, mais c'est la guerre! Tiens. Merde, loupé! Reviens là! Ah, voilà, un de moins! Il y en a un qui est par là. Je vais le choper. Je vais te choper. Oh, il a pris cher. Oh, il a pas du tout aimé. Oh, il a presque plus de vie. Voilà. Le whisky ne fait plus effet. Mais disons que c'est... Ça met pas longtemps. Voilà. Oh, il en reste beaucoup. Oui, il en reste beaucoup encore. Merde. Bon, boum, tiens. Ah, ça, c'est un récupérateur légendaire, c'est ça? Et bim. On va y arriver, on va y arriver. C'est la guerre. Hein. Fuck. Shit. Et il y a le... Il y a l'hélico. Enfin, le vertiptère. Foutez-leur des balles dans le cul. Sérieux? Il y en a qui restent quoi. Et bim. Par contre il y a un paquet de monde. Ouais, on a gagné. Non sans mal. Mais on a tellement gagné. Bon bah... Vodka. Santé. Ah ça c'est rigolo par contre. Donc je suis censé faire quoi? Capitaine, te parler? Ironsides. Loué soient les dieux du vent et des sept mers. L'assaut des pillards des Braves a été repoussé. Aucun de ces flibustiers n'a posé un pied boule sur notre pont immaculé. À tout l'équipage, préparez-vous pour le lancement. Voilà, félicitations, capitaine. Il y a encore une chose. Ah. Pour entreprendre notre grand voyage, nous avons besoin de la puissance du générateur auxiliaire. J'ai peur de devoir faire appel à vous une fois de plus. Encore? Autant aller au bout. Je suis parfaitement conscient que sans vos efforts redoublés, rien de tout ça n'aurait été possible. Voici votre récompense. Vous l'avez amplement mérité. Que les vents vous soient favorables, monsieur. Oh! Mais voilà, mais regardez-moi ça! Oh, ça c'est beau ça! Mmh, c'est magnifique! Ah oui, je prends!
Oui, carrément que je prends. Et par contre, je porte trop de choses, hein. Mais vraiment trop. Alors je sais pas trop comment je vais faire, mais bon, déjà je vais prendre ça. De toute façon, quitte à être trop lourd, hein, je prends tout. Voilà. Donc on marche à deux à l'heure. Voilà. Et je pense que de toute façon, avant que nous fassions quoi que ce soit, eh bien je vais terminer cet épisode ici. En tout cas, merci d'avoir regardé ce 42e épisode sur Fallout 4 en ma compagnie et toujours en la compagnie de Piper. Nous allons terminer cette quête au prochain épisode. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like, un commentaire, éventuellement partager la vidéo avec vos amis, votre famille et qui sache encore. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout hashtag Amour Viril.